Et c'est donc un match international qui nous est proposé aujourd'hui. C'est l'occasion pour certains joueurs de marquer des points dans l'esprit du sélectionneur, bien sûr. Il y a des titulaires indiscutables à certains postes, mais à d'autres, bah, il vaut mieux répondre présent le jour J, sinon il y a du monde derrière. On va suivre cette rencontre dans ce stade où l'ambiance est parfois volcanique. Hein. Oui, en même temps, c'est carrément un choix de l'architecte qui a voulu que son stade ressemble à un cratère. Ah oui, c'est ça. Ah ben c'est pour ça. En fait. Bah oui, c'est pour ça du coup. Voici la composition de l'équipe à domicile. Je vous laisse découvrir la composition de l'équipe visiteuse. Et voilà le schéma tactique retenu par l'entraîneur pour ce match. Les joueurs qui vont évoluer en 3-4-3 aujourd'hui, donc on met l'accent sur la possession et surtout sur une bonne circulation du ballon. Le maillot de l'équipe de France et cette fameuse petite étoile. On commence à s'y habituer, on va dire. Ça fait longtemps qu'elle est là maintenant. Je ne sais pas si on s'y habitue ou si on commence à l'oublier, mais... C'est vrai que les Français ont remporté le seul titre mondial sur leur terre grâce à cette fameuse équipe portée par un élan populaire qui n'a fait que grandir au fil du tournoi. 98 déjà. Griezmann qui va mettre un terme à cette action. Et la bonne passe. Attention. Oh, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Tiens, le but sous un autre angle, Pierre. Regardez comme c'est beau. Ah, c'est surtout la trajectoire du ballon, Hervé, qui est intéressante. Regarde l'inclinaison du pied au moment de la frappe. Et regarde comment il arrive à brosser ce ballon. C'est vraiment magnifique. L'équipe de France qui mène au score. Milligan. On s'approche de la zone de vérité. Il est dépossédé du ballon. Ousmane Dembélé. Allez, il continue. Il prend sa chance. Et l'arrêt du gardien. L'équipe de France qui obtient un corner. Le corner en direction du point de pénalty. Cahill. Antoine Griezmann. Attends, en profondeur, oui, bien vu. N'Golo Kanté. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Et la passe qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Ouais, belle intuition. Oh, le bon ballon pour Griezmann. Et le but. Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant.
Le buteur qui s'est retrouvé dans une position idéale, bien sûr, pour marquer. On ne peut rien faire à cette distance. 2-0, ils ont à présent une avance confortable. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ah oui, il a du soutien, ça peut être très dangereux. Il tacle. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Un gardien qui a à peine à s'employer pour se saisir du ballon. Ousmane Dembélé. Dembélé. Attention, ça peut être dangereux. Oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. N'Golo Kanté. Benjamin Mendy. Oui, la frappe. Oh, il ne s'est pas laissé surprendre, le gardien. Et c'est un corner pour la France. D'accord. Ah, le gardien, pas trop inquiété sur ce corner. Paul Pogba. Samuel Umtiti. Paul Pogba. Et cette faute qui donne un coup franc dangereux. Il a voulu faire, mais c'est n'importe quoi, c'est complètement manqué. Ah ouais, la moindre des choses quand on tire un coup franc, c'est d'y croire un minimum quand même. Thomas Lemar. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Ouais, lumineux cette passe. Dembélé. Il y a peut-être une bonne occasion. Le tacle est propre, le ballon toujours en jeu. 3 minutes. L'arbitre a sifflé. Est-ce qu'il va sortir un carton? Un bon ballon d'attaque. Et voilà, c'est la mi-temps ici. Déjà 2-0 au score. Pierre, vous l'avez trouvé comment, Antoine Griezmann, dans ses 45 premières minutes? C'est bien ce qu'il a fait dans cette première mi-temps. Il a inscrit un but, son équipe mène. Donc, bonne première période de sa part. L'équipe de France qui mène au score au moment où débute cette seconde période. Paul Pogba. Gerard Sidibé. Allez, Pogba qui poursuit son action. Beaucoup à jouer là, il n'est pas tout seul. Neymar. C'est prolongé de la tête. Mais il parvient à stopper cette offensive. Ouais, les bleus, cette touche. Giroud Sidibé. La voie est libre. La voie est libre pour l'attaque française.
en 1-2. Paul Pogba. Ousmane Dembélé. Oh le but! Oh le but venu d'ailleurs! Le gardien qui n'a rien pu faire sur cette frappe lointaine, absolument imparable. Il avait une petite ouverture, il a choisi de frapper de loin, ça lui a souri. Je vous laisse admirer la qualité, la puissance de cette frappe. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Ouais, le ballon touché par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Il va y avoir un changement. Un corner adressé au niveau du point de penalty. Ouais, du point, le gardien. Allez, il y a du monde au second poteau. Ouais, sans problème pour le gardien, ce centre. Mendy. L'arbitre qui laisse l'avantage pour l'équipe de France. Oh, ça... oh, c'est bien mené ça. Mbappé en bonne position. Robbie Kruse. Ouais, il a tout le couloir devant lui. Parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Un petit peu pressé sur ce ballon. Ouais, il a anticipé la trajectoire et a bien intercepté. Ousmane Dembélé. Ouais, avantage, les bleus continuent malgré la faute. N'Golo Kanté. Ça part bien, action dangereuse. L'arbitre qui laisse jouer. L'appréciation de l'arbitre, enfin bon. Ah, du centre, mais la défense est sereine. Il ne faut pas perdre le ballon. Il ne reste plus que 9 minutes à jouer dans cette partie. Mbappé, il remporte son duel. Ah, il est facile. Et il y a certainement quelque chose à faire là pour l'équipe de France. Le tir. Le gardien qui sort le grand jeu vraiment sur cette action. Il faut qu'il centre maintenant. Antoine Griezmann. Ouais, il a bien repris in extremis. Oh, attention, ça presse. Ouais, ils sont nombreux, il ne faut pas gâcher ce ballon. Robbie Kruse. On va peut-être assister à une contre-attaque. Ce contre qui n'ira pas plus loin. La dernière minute du temps réglementaire. Ah, il n'y aura que 2 minutes de temps additionnel à jouer. Ah non, le ballon est perdu. Et ce match qui se termine à l'instant, le coup de sifflet final. On reste un petit peu sur notre fin quand même, hein, Pierre. C'est vrai qu'on aurait aimé assister à un match un peu plus équilibré, plus disputé. C'est sûr, Hervé, qu'on a vu une équipe largement au-dessus de son adversaire. Elle a été sans pitié et dans l'esprit du jeu. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance d'Ousmane Dembélé dans cette rencontre ? Très bon match pour lui, avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc, peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif.